Eh non mais Delphine, toi t'es en mode plage là, t'as vu le boulot qu'on a quoi? Bah attends, je profite de la lumière pour peaufiner mon bronzage, j'ai passé mon été dans le tracteur. Attends, je t'explique, on est à l'époque du changement climatique, dehors il fait beau, même en Bretagne, alors maintenant on y va. Ah bon, bah ok. Non mais attends, tu plaisantes, ton changement climatique il est pas arrivé en Bretagne là. Ouais bah excuse-moi mais on est quand même pas en mode plage quoi. Eh ben si, figure-toi, le changement climatique, il est arrivé en Bretagne. Ah bon? Eh oui, les vaches, maintenant, elles nous font des cocktails. Ah bon? Eh oui. Ah mais c'est ça, en fait, j'ai vu des gars qui n'avaient pas de maïs vu qu'il a fait tellement chaud, ils ont ensilé de la canne à sucre. C'est ça qui donne le mojito? Exactement. Ah mais c'est super ça, à la tienne alors. À la tienne. Eh d'ailleurs, Delphine, oui. Tu connais la dernière? Non. Le SPAS organise le concours de la vache qui produit le meilleur cocktail. Non, c'est pas vrai. Je t'assure. Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont prévu plus de logettes. Les juges vont pouvoir dormir dedans, c'est cool. Exactement. Tiens, bah Delphine, toi qui parlais de bronzage, t'as vu les moutons, là? Ah, non, mais ça, c'est normal. C'est la nouvelle race du Sud. Ils prennent tellement le soleil qu'ils deviennent tout bronzés. Ah ouais. Mais où est-ce qu'elle est encore? Attends, Seb. Mais qu'est-ce qu'un bon... J'ai trouvé un truc de malade. Je regardais un peu dans les innovations SPAS primées. J'ai trouvé un truc de dingue. Avec le réchauffement climatique, ils ont sorti une nouvelle race de poules qui pond des œufs déjà durs. Regarde, je te jure, ils sont durs. Non, mais sans déconner, mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter, quoi? Mais... Non, mais là, on rigole. Mais franchement, la thématique du changement climatique, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est la thématique principale du SPAS, d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur le SPAS, à Rennes. Et en l'occurrence, sur l'espace pour demain, où il y a tout un tas de conférences d'organisées qui vont vous expliquer quelles peuvent être les solutions. Et sur la Space TV par WebAgri aussi. Attends, on va faire plein de conférences. Hein. Effectivement, Delphine, j'en oubliais l'essentiel. On ne sait pas, pina colada, mojito, il suffit d'enseigner de la canne à sucre. Après, il faut voir ce que ça ressort. Hein.